الصفات البدنية. دونك هاد الدوكيومون كاين بزاف الناس، كل واحد علاش كيهضر، كل واحد كيتكلم على لي كاليتي فيزيك. دونك غادي نوضحو لوتيليتي ولا لا دومينونس او لا لو كونت است كي فو ترافايي تيل كاليتي اي نو با ترافايي تيل كاليتي. هذا هو الخلاصة ديال هاد الدياب. يعني عندي انا هاد لا كاليتي فيزيك، ايوا هاد لا كاليتي فيزيك خصني ما نقيسهاش فهاد لاج، وهادي خصني نقيسها فهاد لاج. دونك كي كنشوفو لا بارتي الفوقانية، كاينين لي كاليتي فيزيك ديال لونديرونس لا فورس. في الوسط كنهضرو على لا فليكسيبيليتي اللي كاين، يعني واحد هاد لو دوكيومون اي لي كيبيكو. La flexibilité, je crois que c'est la souplesse. Quand on a droit à obtenir la vitesse, la qualité physique de vitesse, de coordination et de technique de jeu. Il a la partie noire, il y a l'âge qui est le fort, l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, etc. Mais il y a les qualités physiques, l'axe des ordonnées. من بعد كاين غارسون في، من بعد كاين ان بوتي بوتي ديسان لي فيه ان بوتي بونوم كي فاشي. كونت اي فاشي ستادير كي فو با ترافايي لا كاليتي فيزيك سبيسيفيك لهاديك لا كاتيجوري. كونت اي ريغول ان بوتي بو راه سي بوسيبل دو ترافايي. و كونت سي نوار دونك سي اوبليجي دو ترافايي هاديك لا كاليتي فيزيك. لو ريزولتا هو لا كاليتي فيزيك فهاد لاج هي il faut privilégier la coordination, la vitesse, les techniques de jeu. Donc, sans oublier un petit peu, toucher un peu de souplesse. L'endurance, ça commence à partir de 17 ans. Donc, à partir de 17 ans, on peut parler d'endurance force, endurance vitesse, endurance... si vous voulez parler un petit peu, on peut en parler des qualités physiques. Donc... quand on parle de force, donc il y a plusieurs forces. Donc force absolue, relative, force vitesse, force explosive, force endurance. De toute façon, c'est la définition d'IALA, c'est-à-dire quand on parle de qualité de force, c'est le fait de vaincre une force ou une résistance extérieure, ou bien de résister à cette force extérieure. Donc, et la définition, autrement dit, c'est la capacité ou la possibilité qu'on a à déplacer une masse. Donc, elle peut être couplée à une force, on peut parler de ça. Donc le travail musculaire, il peut être... on peut dire que le travail musculaire par rapport à la force, il peut être dynamique ou la statique. On a entre les types de contractions. Donc bref. Quand on parle de... la qualité souplesse, ça fait allusion à l'amplitude du mouvement qu'on peut faire à une articulation, ou la mobilité ou la flexibilité articulaire. Là, quand on parle de souplesse, la capacité d'une articulation à s'étirer, ou là d'un muscle, ou là d'un tendon, d'un ligament. Sa capacité à s'étirer. Il y a la traduction de la qualité de souplesse. La vitesse. Il y a la faculté de réaliser un mouvement dans un minimum de temps. Effectuer des mouvements
des mouvements préétablis dans un temps très bref. Et il y a ce qui est intéressant par rapport à la vitesse. Il y a trois types. Les enfants, les trois types. La vitesse, il y a la vitesse d'exécution. Il y a des parts il est rapide. Il a la qualité vitesse là. Il y a trois types. Et le temps de réaction, la vitesse d'exécuter, la vitesse de réagir à un signal, soit sonore, soit visuel, soit qui maintient le signal. Adilou, la Tania, la vitesse d'exécution d'un geste, la vitesse de tir, la vitesse la vitesse de faire un mouvement. Telta, il y a la répétition. Réagir vite, et répéter un mouvement très rapidement. Le temps de réaction, la vitesse d'exécution, réaliser un grand nombre de répétitions. Donc, la vitesse se manifeste sous trois formes. La vitesse d'exécution, le temps de réaction et un grand nombre de répétitions. Il faut insister sur une chose, c'est pendant le travail pendant les exercices qui contiennent, qui ont la prédominance qualité physique la vitesse, il faut tenir compte et porter son attention sur la bonne exécution du geste. L'exactitude de la réalisation du geste. Pendant l'exécution du geste, il faut insister en tant qu'entraîneur ou la la correction du bon geste. Qualité physique de la coordination. L'endurance. Donc, l'endurance, sa définition, en gros, c'est la possibilité de réaliser un effort continu sur une longue période de temps. Il y a. C'est une qualité physique. Considérée comme étant la capacité psychologique et physique de l'enfant pour résister à la fatigue. Le fait de résister à la fatigue tout en se basant sur les capacités physiques et psychologiques, ni la résistance à la fatigue, ni réaliser un effort continu en résistant à la fatigue pendant une longue période, comme bad, mais ouais, la qualité physique elle a été conseillée à l'âge. C'est vu les nao l'enfant à l'âge de 12, 13 ans, tel 15 ans, tel 14, 15 ans.
Il a une activité très réduite des enzymes glycogènes. Il est déconseillé d'augmenter le travail, faire le sens, la résistance, etc. Bad. Il y a la qualité de coordination. Ou c'est une qualité qui est très prisée fin de l'âge. Je vais les caractéristiques de stage. Quand on parle de coordination, sa définition, elle se résume à la capacité de réaliser des gestes précis, d'enchaîner, de faire des mouvements pour réaliser un geste précis. Capacité à enchaîner des mouvements, des gestes, pour réaliser une motricité parfaite, précise. La coordination générale, elle est très importante, très utile, fin de l'agenda, où elle se traduit par... Elle doit se manifester des exercices de coordination. Et en chauffant la vidéo, pratique, le fait de mettre l'enfant dans une situation inhabituelle avec une motricité riche ou une succession d'enchaînements et de mouvements que l'enfant trouve, il doit trouver des difficultés à réaliser. L'imnia, les saria, le hal fort, le hal koral fort, dribbler, aoud, marche arrière, rjlik, latéral, un appui à droite, ou à gauche. L'échelle de rythme, il est super intéressant en fait là. Si vous n'avez pas l'échelle de rythme, vous pouvez bricoler un petit truc la salle ou le terrain avec un scotch dial à chaque drame, un rouleau de scotch dial carrette dial work. كتلصقو في لا سال وكدير بحال الدروج بحال ايشيل وكيبقى لونفون يفي دي جيست راه كاينين دي موفمون افير افيك لي بي افيك لي مان بالكره افيك لا دروات لا غوش اون اريير اون افون اون اريير دونك سي دي موفمون كي فون واحد لا ريشيس انورم l'élève, l'enfant. Ça lui permet de varier les combinaisons techniques dialogue spécifiques à l'activité. L'activité d'y fait les intentions individuelles, collectives, défensifs, offensifs. On fait des appuis, fait des mouvements d'appui en avant, en arrière. Ça lui permet de faire l'éventail de mouvements, de schémas d'action. Il exécute des gestes. C'est pas grave. On a le genre de situation et de mouvement d'exécution. Attends, on va profiter d'abord
du fait qu'on parle de la motricité, de la coordination. Non. Non. Attendez, je vais diminuer le son un petit peu. Non. Voyez, donc les ils font à droite, à gauche, ils dribblent. Là, tu corriges en même temps. Donc on va profiter pour faire avancer. Non, c'est un exercice. Manipulation de la balle. Je sais pas si vous allez voir. On va le refaire. C'est un exercice très très difficile. Là, la situation elle est inhabituelle au niveau l'oulidet. Donc c'est un enchaînement. L'exécution qui le cora mon mora. Essayer de voir si j'arrive à. Voilà. Donc le fait, je leur ai dit de jeter la balle entre les jambes et de la récupérer au-dessus de la tête. Ou là, l'enfant, un tout. Une fois qu'il est le repère qui me chie, ça fait mal. Il y a un élève, il a dit tout au fond, là-bas au fond, qui arrive à résoudre le problème. Il arrive à faire le geste. Il est au fond, la souris. Il est carrément au fond, un survêt bleu, bleu. Et en fait, il a pu résoudre le problème, Lèche, parce que c'est un gardien de but. Donc le gardien de but, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait des choses que les autres ne font pas. Donc il arrive à réussir la tâche. La situation à Wana, je lui ai demandé de faire, donc il a réussi. Voilà. Tu vois? Donc, Hena, ça permet. Ça nous donne une idée à sa coordination générale. Donc, c'est une situation inhabituelle. Les Wama qu'on va voir un petit peu le genre de situation. Là, c'est l'explication. Je ne sais pas si j'arrive à. Voilà, ce genre d'exercice. Les enfants, tu les mets dans une situation inhabituelle. Donc, le repère, ils ont un repère, là. Donc, ils ont des problèmes d'équilibre, de dissociation, de souplesse. Et le manque de repères pour se situer dans l'espace, comme on l'a rappelé sur le plan biomécanique, si vous vous rappelez les caractéristiques des enfants. Donc un manque de repères pour se situer dans l'espace. Une fois qu'il a le courant fort, il se désoriente. La situation. C'est une situation inhabituelle. Voilà maintenant, en tant qu'entraîneur et enseignant, cela, les enfants les mettre dans des situations inhabituelles pour apprendre. Ou faire les situations qu'ils apprennent. C'est là où ils apprennent. C'est là où ils ramassent le maximum de motricité. C'est grâce à la coordination générale. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Et c'est ça qui entraîne des déchets avancés. L'équipe senior, un décalage énorme, énorme, énorme. Oh, ça provoque des déchets le match. Donc, là, à ce stade-là, moi, ce que je préconise, c'est insister
sur les qualités physiques la coordination, l'agilité, coordination générale, la vitesse, la souplesse. Donc, mes amis, on passe au dernier, je crois, diapo, les fondamentaux du handball.